Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. C'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Amen. C'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, couvrons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Hymne Acathiste, page 363, couplet 17 à 20. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Seigneur, réjouis-toi, servante.
Psaume 100. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je veux chanter amour et jugement, pour toi Seigneur je veux jouir. J'avancerai dans la voie des parfaits, quand viendras-tu vers moi? Je suis la perfection de mon cœur, dans l'esprit. Vois le Père se lever dans mes yeux, pour y aller. Je vais les façons les dévoyer, elles n'ont sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortueux, le méchant je l'ignore. Sur les fidèles de la terre, qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans la voie des parfaits sera mon servant. Je les fais taire, moi, tous les impies de la terre. Pour étrancher de la ville du Seigneur tous les malfaisants. Psaume 131. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Pourquoi monterai-je sous la porte de ma maison? Pourquoi monterai-je sous les lits de mon repos? Que je ne trouve un lieu à mon Seigneur, un séjour au puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Éphrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. Tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné. Ils
Fils même à tout jamais, siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là je siégerai, je l'ai voulu. C'est juste, je les bénirai de bénédictions. Ces pauvres, je les rassasirai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'apprêterai une robe pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui ferai. Psaume 137. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je le chante en présence des anges. Je me renseigne en sacré. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'as exaucé. Tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, car ils entendent les promesses de ta bouche. Seigneur, il voit les humbles et de loin connaît les superbes. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre à la fureur de mes rivaux. Tu étends ta main et me sauve. Ta droite aura tout fait pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Voici. Cantique des Proverbes, page 262. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. Elle a battu ses bêtes, préparé son vin, elle a aussi dressé sa table. Elle a réfléchi ses serviteurs et proclamé partout dans la cité. Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Venez à moi et vous vivrez, marchez dans la voie de l'intelligence.
Jean-Jacques Ollier au XVIIe siècle. Le bonheur de concevoir Jésus-Christ en son cœur. Entendant une femme faire tant d'estime de Marie, pour cela seulement que cette Vierge l'avait engendrée et nourrie, Jésus-Christ, qui sait le prix infini de sa vie divine et ce que vaut l'âme de sa Sainte Mère, toute transformée en lui par la plénitude de cette vie qu'elle possède, répond que la béatitude de Marie est bien plus grande pour la possession intime de la vie divine au fond de son âme, dont elle éprouve les effets et expérimente les opérations, que pour avoir porté son corps et l'avoir allaité. Bien plus heureux, reprend-il, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent dans leur cœur. Réponse bien instructive pour l'Église, puisqu'elle montre que Jésus-Christ préfère, à l'honneur si privilégié d'avoir conçu et porté son divin corps, la condition de quelque âme que ce soit, qui, l'ayant conçu et fait naître spirituellement en elle, agira par sa grâce et par la vertu de son esprit. Car si l'on prend les choses précisément dans la pensée de cette femme de l'Évangile, qui ne voyait rien dans Marie au-delà du fait d'avoir engendré de sa propre substance le corps du Sauveur et de l'avoir nourri de son lait, il est assuré que le bonheur du chrétien qui conçoit Jésus-Christ dans son cœur et qui conforme sa vie à la sienne est tout autrement considérable. Voyez avec quel immense amour, avec quel soin attentif et vigilant, Jésus-Christ exprime aux enfants de son Église la grâce ineffable qu'il possède d'être membre de sa personne. S'il y avait un moyen de donner aux fidèles quelque idée de leur bonheur, c'était de leur parler de la grandeur auguste de cette Vierge qui a engendré un Dieu, qui l'a nourri, qui a été une seule chose avec lui, qui a porté en soi son paradis, sa béatitude, son Dieu.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse est la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite le vôtre salut dans la maison de la vie son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, selon autrefois ses prophètes. Salut. Arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il s'est avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous donner la franchise de la crainte. Toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. Alors, sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Oh, dear.
tes paroles qui sont esprit et vie, toi, notre Dieu, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce.